light of mine. I'm gonna let it shine. This little light of mine. This little light of mine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. This little light of mine. This little light of mine. Let it shine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. This little light of mine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. This little light of mine. This little light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine, 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 Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce soir. Êtes-vous prêt à laisser briller votre lumière? Salut Québec, Lac-Saint-Jean, Hearst, et peu importe là où vous venez, on va louer le Seigneur ensemble ce soir parce qu'il est vivant. Amen. Shine, this little light of mine. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Un cri de joie. Tous ensemble. Tous ensemble chantons ta gloire. Tous ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur nous chantons ta gloire. Nous louons te tous ensemble. Chantons ta gloire, tous
ensemble pour le nom de Jésus. De tout cœur, nous chantons ta gloire. Nous louons, te louons. Ensemble, ensemble, chantons ta gloire. Oh, oh, oh. Ensemble, pour le nom de Jésus, de tout cœur, nous chantons ta gloire.
Alléluia. Sais-tu que quand tu fais un cri de joie, tu proclames la victoire? Peux-tu faire un cri de joie maintenant? Ce soir, si tu le crois, fais un maximum de bruit pour le Seigneur. Il est vivant pour toujours et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le crois-tu avec des cris de joie ce soir pour le Seigneur? Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Des miracles, se va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Des miracles, Dieu va faire encore. 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 Dieu va te bénir. Te remplir, Dieu va te remplir, Dieu va te toucher, Dieu va te toucher, Dieu va te changer, Dieu va dire à ton voisin, changer. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te remplir, Dieu va te remplir, Dieu va te toucher, Dieu va te toucher, il va te changer, Dieu va te changer, changer. Alléluia. Ce matin, il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Encore plus fort, alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Dieu veut consoler. Dieu veut consoler. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir. Dieu veut te toucher. Dieu veut te toucher. Dieu veut consoler. Dis-le avec conviction. Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dieu veut te guérir. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades.
entendu. Élever la voix, élever nos mains en même temps. Le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous, pour qui il est, le Dieu d'éternité. Prenons un moment pour l'adorer. Thank you.
Dieu est digne de louange. On peut prendre un moment et dire à notre problème combien notre Dieu est grand. Amen. Et quand on le loue, quand on l'adore en esprit, en vérité, ce problème disparaît. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et c'est ce qu'on va faire ce soir de tout notre cœur. Chantons tous ensemble. How great is our God? How great is our God? Sing with me. Our God, and all will see how great is our God. Tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. S'élève un chant.
Donne-lui la gloire ce soir. Korashikino mandeleshia. Oui, tu es grand Seigneur. Oh, alléluia. Come on, merci Seigneur pour ta grandeur ce soir. Merci pour ce que tu as fait Seigneur depuis le départ dans ce jeûne et prière Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci que c'est tangible Seigneur. Et que nous allons aller Seigneur Jésus ce soir. Nous allons chercher, Seigneur, notre victoire, Seigneur Jésus. Père, on te remercie pour les percées qui se passent dans l'esprit, Seigneur Jésus. On te remercie pour les percées financières pour l'Église, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, maintenant, dans l'esprit, Seigneur. Père, on veut juste déclarer ce soir, ensemble, la victoire. Père, on veut déclarer ta grandeur. On veut déclarer que tu es au-dessus de nos circonstances, Père. Merci. Come on, fais juste le remercier. Remercie-le pour ce qu'il a fait durant ce temps de jeûne et prière. Remercie-le pour ce qu'il va faire encore ce soir. Remercie-le pour ce qu'il a déjà fait dans vos vies. Oui, tu es grand, Jésus. Yeah. Yeah. Alléluia. Oui, tu es bon, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, oh, oh. Alléluia. Shokoro sikira mamanash. Sa présence, c'est comme de l'électricité ce soir. Je sens sa présence dans ce lieu tangible. Recevez ce soir à la maison. Soyez prêts à recevoir ce soir. Shokoro sakaramandara shakaras. Alléluia, Seigneur. Alors, sans tarder, on va lire dans Genèse, le chapitre 38. On va commencer par le verset 27. Quand elle fut au moment d'accoucher, bon, c'est pas Rachel. Voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi, en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Elle lui donna le nom de Pérez. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi. On lui donna le nom de Zérak. Amen. Une histoire un peu drôle, mais je crois que ça va nous aider ce soir à saisir le momentum de Dieu. Parce que la vie, des fois, ne nous donne pas toujours des cadeaux. Ici, nous voyons, au moment d'accoucher, c'est Tamar, la femme de Juda, qui va donner naissance. Et tout d'un coup, la femme, sage-femme qui était là, elle voit une main qui sort. Alors, à ce temps-là, il n'y a pas de
d'ultrasons, de tests de grossesse, tout ça, on le sait au moment de l'accouchement. Alors tout d'un coup, il voit la main, elle prend un petit fil, elle a mis sous la main de celui qui est sorti. Mais tout d'un coup, l'enfant ressort la main, il retourne dedans. Et puis tout d'un coup, il voit une autre personne qui sort et dit, mais tu viens d'où toi? Et lui donna le nom de Peretz en disant, quelle brèche tu as faite? Parce qu'il est venu d'une manière surprenante. Et puis tout d'un coup, le deuxième est sorti avec toujours le fil cramoisi, le fil rouge dans sa main, en disant, moi aussi je m'en viens. On lui donna le nom de Zérak pour dire que c'est l'aurore, c'est la lumière jaillissante. Quand je lisais ce texte, je comprends que dans la vie, il y a des gens qui sortent, qui ont tendance à sortir les premiers. Quand tu les regardes dans leur jeunesse, dans leur enfance, la manière ils accélèrent la vie, tu leur dis, celui-ci est le premier. Il va s'en sortir. Il y a des enfants qu'on a vus à l'école secondaire, à l'école primaire, ils étaient brillants en classe. On leur donnait déjà des certificats de réussite dans leur vie. Et dit, celui-ci, en tout cas, la manière il étudie, la manière il agit, il est le premier. C'est un Zérak. On lui donne même un certificat de reconnaissance en disant, waouh, vraiment, il est bien né dans une bonne famille, il a fait des bonnes études, il réussira. Il réussira. Il réussira. C'est un Zérak. L'aurore qui se réveille très tôt le matin. Et une lumière jaillissante. Des fois, avec des habiletés sportives, tu peux voir un jeune homme, tu dis, waouh, lui là, ou celle-ci, elle s'en sortira dans sa vie. Mais la vie nous enseigne que ce n'est pas toujours le cas. Parce que tu peux bien commencer et finir mal. Et la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dans l'histoire toujours de Josué, le chapitre 7, on nous dit dans la famille de Zérak, quand Israël est parti prendre Jéricho, ils ont gagné et ils ont essayé de prendre la petite ville qu'on appelle Haï et ils n'ont pas pu réussir. Au chapitre 7 du livre de Josué, on nous dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Josué 7, verset 1. Acan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu du Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Donc on voit que dans la famille de Zérak, ils aiment prendre le devant. Ils aiment se précipiter. Ils aiment prendre la première place dans leur vie. Mais après ma petite expérience de 4 enfants et demi, j'ai appris que ce n'est pas la main qui sort la première, c'est la tête qui sort la première. Donc Zérak essaye de tricher dans la vie, de sortir la main alors que c'est la tête qui doit sortir. Il essaye de prendre la place de son frère. Parce qu'en Israël, l'aîné a une grande position, a une grande place. C'est pourquoi il veut prendre la première place. Mais il est ressorti. Et puis, le deuxième s'en sort qui s'appelle Peretz. Et tout d'un coup, la sage-femme dit, mais quelle brèche tu as faite? Parce qu'en anglais, on dit que « suddenly », d'une manière surprenante, d'une manière qu'on n'avait même pas imaginée, tout d'un coup, l'enfant s'en sortit. Je prie qu'à travers ces jeûnes et prières que nous faisons et que nous avons fait, que les gens qui n'avaient même pas eu l'idée que tu allais t'en sortir, puisse dire dans ta vie, mais comment est-ce que tu as pu t'en sortir comme ça?
Parce que toi, tu n'étais pas destiné à être le numéro un. Toi, tu n'étais pas destiné à avoir ce poste. Toi, tu n'étais pas destiné à avoir cette promotion. Toi, tu n'étais pas destiné à réussir dans ce pays du Canada. Mais comment est-ce que tu t'en es sorti? Tu es divorcé, abandonné, séparé. On t'a condamné à mort, c'est fini dans ta vie. Mais tout d'un coup, d'une manière surprenante, tu deviens un pérès dans ta famille. Tu deviens un pérès quelque part. Et les gens, même les collègues du travail, disent mais comment? Parce que ce n'est pas toi qu'on pouvait imaginer. On pouvait imaginer un Zérak. On pouvait imaginer quelqu'un d'autre. Mais tout d'un coup, toi, pérès. Est-ce qu'il y a des pérès dans ce lieu? Des gens qu'on ne pouvait même pas penser, mais tout d'un coup, ta tête va sortir. Lisons un autre passage dans le livre de Ecclésiaste. Alors, encouragez-moi de prêcher en disant « Amen » de temps en temps. Parce qu'il fait moins 35 degrés, donc on a besoin de s'encourager pour chauffer un peu la salle. Parce qu'aujourd'hui, on veut accoucher des pérettes dans ce lieu. On veut donner naissance à notre bénédiction. Après des jours de jeûne et prière, c'est le moment où tu dois pousser en dernier moment. Je ne sais pas ce que tu es venu faire, mais ce soir, je suis venu chercher la face de Dieu. Je veux aussi avoir la bénédiction de cette année 2016. Aïe, aïe, aïe. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11. Ça dit ceci, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Tout dépend du temps et des circonstances. Tout dépend du temps et des circonstances. Peut-être que tu n'es pas un savant. Peut-être que tu n'étais pas intelligent. Peut-être que tu n'étais pas agile, alerté, vif dans la vie. Mais tout dépend du temps et du momentum que Dieu donne. Et dans ce moment, nous voulons saisir, nous voulons prendre rapidement et fermement la volonté de Dieu dans notre vie. Tu n'as pas peut-être fini ton cycle scolaire ou ta formation de travail, mais tout d'un coup, la grâce de Dieu va tomber dans ta vie. Je déclare la grâce de Dieu dans ta vie. Ah, je déclare encore une fois la grâce de Dieu dans ta vie. En Alabama, il y a une histoire qui m'a toujours béni d'une femme qui s'appelle Helen Keller. Elle est née aveugle, sourde et muette. Elle ne pouvait ni voir, ni entendre, ni parler. Lorsque ses parents l'ont eu, ils se sont imaginés, mais qu'est-ce qu'on va faire pour cet enfant qui est né comme ça? Sans pouvoir voir, sans entendre et sans parler. Imagine-toi. Alors les parents ont tout essayé, ils étaient frustrés, ils ont tout essayé au bas âge, ça n'allait pas. Alors ils ont cherché une madame qui s'appelle Anne Sullivan, qui enseignait de temps en temps des enfants avec des signes, qui pouvaient voir peut-être. Alors on lui a amené ce cas de Helen Keller en disant, essaye celle-ci. Lorsque cette madame l'a regardée, elle a dit, mais c'est un cas difficile, c'est un cas dur. Elle a dit, essaye parce qu'il n'y a pas d'autre choix, on va essayer de te payer, mais essaye quand même. Alors elle a commencé à l'enseigner, à chercher comment découvrir sa capacité. Elle l'a enfermée dans une salle pour essayer de l'isoler et savoir sa manière de communication. À un moment, ça n'allait pas parce que ça a pris des jours, ça a pris des semaines, ça a pris des mois. Et Anne Sullivan disait, écoute, je ne pourrais pas aider votre enfant. Alors il prend Helen Keller, ils vont dehors à côté de l'eau qui passait. Et tout d'un coup, il y a de l'eau qui est tombée dans les mains de Helen Keller, subitement. Et tout d'un coup, Helen Keller a réagi. Et tout d'un coup, la madame a saisi que cet enfant, elle peut comprendre que ça c'est de l'eau. Alors, elle a pris de l'eau encore, elle l'a mis dans sa main. Et tout doucement, elle a commencé à prendre l'enfant que ça, c'est de l'eau. Et doucement, Helen Keller a saisi que ça symbolise de l'eau.
Elle a commencé à apprendre doucement, lentement. Ce n'est pas question de rapide, mais c'est doucement, lentement. C'est une paresse qui vient doucement, lentement. On l'a condamnée à rester derrière. Mais elle a appris à lire, elle a appris à écrire. Et d'ailleurs, j'étais étonné, elle a écrit 12 livres dans sa vie. Toi, tu n'as jamais écrit ton livre, mais voilà quelqu'un qui peut écrire. Elle est devenue écrivaine, elle est devenue conférencière. Elle est devenue une militante politique aux États-Unis. Alors que je vous parle, le 27 juin, au niveau national des États-Unis d'Amérique, on célèbre la journée de Helen Keller. Dans le monde entier, nous avons des routes en Israël, à Zurich en Suisse, partout, il y a des routes qu'on appelle Helen Keller Avenue. Une madame qui ne pouvait même pas s'en sortir, mais Dieu ouvre une petite porte d'opportunité, elle saisit cela, elle commence à aller de l'avant. Il y a même un film qui est sorti, Miracle in Alabama, à propos de cette madame. Et à l'école, je me rappelle un petit texte qu'on nous a appris. Qu'est-ce qu'elle a écrit un jour? Elle a dit, « Lorsqu'une porte de bonheur se ferme, une autre s'ouvre. Mais souvent, nous gardons les yeux sur celle qui est fermée, au lieu de contempler à la nouvelle qui vient juste de s'ouvrir pour nous. » Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont été quelque part, tu dis, je ne pourrai jamais m'en sortir. Mais tout d'un coup, le Seigneur t'ouvre une petite porte. Même pas une porte, mais une fenêtre d'opportunité. Je pouvais imaginer Pérez en train de vouloir sortir, mais il sent qu'il y a une main de Zérach. Il veut aller dans sa destinée, mais Zérach a bloqué. Il dit, mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi je ne veux pas m'en sortir? Mais tout d'un coup, il dit, mais Seigneur, fais quelque chose. On est deux dans le ventre, j'aimerais sortir, mais mon frère a serré la main. J'aimerais sortir parce que je commence à manquer l'oxygène. Je commence à me sentir étouffé. J'aimerais sortir 2016 avec la tête haute, mais je sens encore des blocages. Est-ce qu'il y a des gens ici qui commencent à me dire, ce n'est pas normal, je dois sortir cette année 2016. Je dois prendre la destinée de ma vie. Je dois prendre l'opportunité de ma vie. Au Centre Éveil, on parle de saisir le momentum de Dieu. Et je crois que cette année, au nom de Jésus, on va s'en sortir. Peu importe qu'il y ait des blocages, peu importe les gens qui ont essayé de bloquer, mais cette année, déclare dans ta vie que je veux m'en sortir. Je veux m'en sortir. Aïe, aïe, aïe. Le diable a essayé de te bloquer par différentes barrières, mais je crois que l'Éternel a quelque chose dans ta vie. Avec les jeûnes et prières, Dieu a dit, je vais changer les larmes en joie, les jeûnes en louange. Tu vas commencer à danser parce que l'Éternel est ton bouclier et ta force. Est-ce que je parle de Pérez ici? Ou c'est moi-même qui sens que ça bouillonne encore? Alléluia. Dis à ton voisin, saisis ton momentum. Saisis le momentum de Dieu. Helen Keller a dit une chose en anglais ici, il dit, les meilleures et belles choses sur la terre ne doivent pas ni vues ni entendues, mais plutôt senties par le cœur. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre avec les yeux physiques, mais tu le sens spirituellement. Tu l'entends spirituellement. Tu peux ne pas les toucher, tu peux ne pas les voir, mais tu sais que la présence de Dieu est là. Tu sais que cette année sera une année de bénédiction. Tu sais que cette année sera une année de ton mariage. Tu sais que cette année, tu vas t'en sortir. Tu ne sais pas comment, mais tu le sens. Tu le sens et tu le vois dans les yeux spirituels. Je parle à des pérettes ici où tu sens que c'est le moment de pousser encore une fois. Le momentum est là. La francophonie, on est toujours en arrière. On a toujours été derrière les anglophones, les espagnols, on est toujours derrière. Mais cette année, la francophonie va savoir dans Ottawa qu'il y a une église qui est s'en sortie. Il y a des pérettes dans ce lieu. Il y a des hommes et des femmes qui n'abandonnent pas, mais qui vont sortir. La tête est haute. Ils ne vont pas tricher avec les mains ni avec les pieds, mais ils vont sortir la tête haute. Le nom de Jean Tulpin va sortir encore dans les journaux. Ils vont savoir qu'il n'a pas abandonné, mais qu'il y a pérette dans ce lieu. Mathieu Tulpin, on va te connaître dans ce lieu.
en relayant saura qu'il y a un pasteur qui est loin de Dieu, qui a s'en sorti en ce lieu. Qu'il y a une femme qui vient de la Suisse. Quelqu'un peut dire Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. On sera fiers dans ce lieu. Parce que les pérettes vont sortir. Il y aura des millionnaires dans ce lieu. Il y aura des hommes qui vont prospérer. Il y a de nouveaux hommes d'affaires et des femmes d'affaires qui vont commencer quelque chose, mais qui vont sortir avec la tête haute. Et dire, où est-ce que vous étiez toutes ces années? On déclare la grâce de Dieu. Non, mets ta main sous la tête et dis, je suis un pérette. Je suis un pérette. J'ai une ouverture dans ma vie. Je saisis le momentum de Dieu. Au nom de Jésus. Je me rappelle dernièrement, on était dans la prière de 9 à 10 heures. Ici au Centre-Vert, nous sommes en direct de 9 heures à 10 heures le matin. Et on était en étudiant et tout d'un coup, il y a une phrase, un mot en français qui m'est revenu. Il s'appelle sérendipité. Sérendipité. Je l'ai écrit pour que les gens comprennent. Serendip, c'est le pays qu'on appelle Sri Lanka, à côté de l'Inde. Serendip. Quand les chasseurs allaient chercher les gibiers, ils suivaient les traces. En suivant les traces, on pouvait dire ici c'est un chameau, ici c'est un éléphant. Ils pouvaient imaginer qu'est-ce qu'ils vont attraper. Mais à leur grande surprise, arriver devant l'animal, des fois c'était le contraire de ce qu'ils pouvaient imaginer. Et le mot sérendipité est sorti en disant, tu trouves quelque chose que tu n'as même pas cherché. Est-ce qu'on comprend? Parce que dans la vie, même dans le monde scientifique, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on a découvertes alors qu'on ne cherchait pas. Je me rappelle Jean de l'Adventé nous parler le micro-ondes, comment on a découvert le micro-ondes. Le monsieur Spencer qui était en train de travailler à côté des radars, il avait un bar de chocolat dans son pantalon. Il passe là-bas, il sent que ça chauffe dans son pantalon. Il regarde, le bar de chocolat est devenu liquide. Il dit, mais c'est quoi ça? Il retourne prendre un autre. En revenant, ça devient mouillé. Il dit, mais il y a quelque chose ici. Alors il prend, il amène les pop-corns. Et tout d'un coup, arrivé là-bas, paka. Il dit, il y a quelque chose ici. Et ainsi est né le micro-ondes. Il y a beaucoup de choses qui sont nées comme ça. Il y a des médicaments, des pénicillines, les aspirines. On ne les cherchait pas, mais on les a découverts comme ça. Sans même réagir, tout d'un coup, pas. Tu découvres quelque chose que tu ne cherchais même pas auparavant. Je prie que cette année, tu aies des sérendipités dans ta vie. Des choses que tu ne cherchais pas, tout d'un coup, tu les découvres. La Bible nous dit que Ruth était en train de glaner dans le champ et en glanant, elle découvre qu'il y a un Boaz. Ça, ce sont des sérendipités. Tu ne le cherchais pas et tout d'un coup, il y a un jeune homme qui passe à côté de toi. Elle dit, hello madame. Elle dit, comment ça va? Ça va très bien. Je peux avoir ton numéro. Tu ne le cherchais pas, mais tout d'un coup, il commence à s'intéresser avec toi. Et tout d'un coup, tu découvres que c'est un enfant de Dieu aussi. Et tout d'un coup, il vient au centre-réveil. Et tout d'un coup, dans quelques mois, c'est le mariage. Aïe, aïe, aïe. Ça, ce sont des sérendipités. Tu ne le cherchais pas et tout d'un coup, ça vient. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire Alléluia? Ah, j'entends des sourires dans ce lieu. Seigneur, donne-nous des sérendipités, des choses qu'on ne s'attendait même pas, des choses gratuites que le Seigneur déverse comme ça. Je vois Joseph en prison. On parlait de cela ce matin encore dans la prière. Joseph en prison. Écoute, il était là chaque jour, ça faisait 13 ans qu'il est en prison. Et tout d'un coup, il y a un monsieur qui est endormi là, qui lui dit, j'ai eu un rêve. Joseph avait le choix de dire, écoute, ne me raconte plus les rêves, parce que moi-même je suis ici à cause des rêves. Je ne crois plus aux rêves, je ne veux plus entendre des rêves. Mais il a saisi l'opportunité. Il a dit, raconte-moi un peu. Et le monsieur a dit, je vis ça. Il dit, ok, c'est facile. Toi, dans 3 jours, tu vas t'en sortir et tu vas retrouver au travail. Toi, là, dans 3 jours, hop, c'est fini, caputo, finito. Et c'était fini. Bien-aimé, on ne sait jamais qui est à côté de nous.
L'échasson là, c'était un officier. L'échasson là, c'était le chef des échassons. C'est pourquoi de temps en temps, interprète seulement, tu ne sais jamais qui est à côté de toi. La personne que tu as à côté de s'entrever ici, là-dedans, à côté, il faut bien le saisir, il faut bien le regarder. Peut-être c'est un platinium. Peut-être c'est un gold. Ça vaut plus que 20 000, 30 000. Lui, là, quand il va signer un chèque, tu vas être étonné. Tu vas t'en sortir dans ta prison. Je prie qu'il y ait des platinium dans ce lieu. Quelqu'un peut dire alléluia. Partout, ils entrent, c'est VIP, VIP. Mais toi, tu pensais qu'il était en prison, mais c'était un échasson du roi. Seigneur, donne des sérendipités. Pas des députés, mais des sérendipités. Alléluia. On disait que Christophe Colomb, qui a découvert les États-Unis d'Amérique, ou les Amériques, il ne les cherchait pas. Lui, il cherchait une route pour aller vers les Indes. Et tout d'un coup, il passe, oh, il découvre d'autres continents, oh. Et aujourd'hui, le Québec est découvert. Sérendipité comme ça. Seigneur, on veut des sérendipités. Je veux à un moment, pouf, tu découvres quelque chose que tu n'avais même pas cherché. Ça vient, ça. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner tous les jours. Et toi, tu feras quoi? Tu habiteras? Alors, plus tu habites dans la maison de Dieu, plus le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Plus tu fuis l'église, plus la grâce et le bonheur ne vont pas t'accompagner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire alléluia? Donc, viens à l'église, prie le Seigneur, tu verras que la grâce et le bonheur vont t'accompagner, pas un jour, tous les jours de ta vie. Aïe, 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 aïe. Donne-moi 2 minutes et on va prier. Bien-aimés, saisissons le momentum de Dieu. Parce qu'il y a d'autres, je les appelle les trains de la vie. Il y a des trains, bon, à Montréal, il y a des, ce qu'on appelle les métros. Métro, c'est chaque 5 minutes. Tu peux attraper un métro. 5 minutes, tu attends, ça vient. Mais il y a d'autres trains qui ne viennent pas dans chaque 5 minutes. Le train de Ottawa-Toronto ne vient pas chaque 5 minutes. Ça vient peut-être 3 heures, 4 heures après. Je cherche à aller vers Vancouver pour visiter le Grand Canada. Ça ne vient pas chaque 5 minutes. Peut-être c'est 48 heures après ou 3 jours après que tu peux prendre le train qui va vers Vancouver. J'étais au Congo, dans un coin qu'on appelle Kalemi, pour aller vers Lubumbashi. Le train, tu l'attends 2 semaines. Donc, le même train que tu vois partir, tu vas l'attendre qu'il arrive et qu'il retourne, et c'est 2 semaines plus tard. Ça, ce n'est pas de sérendipité, ça. Bien-aimé, il y a des opportunités. Si tu les rates dans ta vie, c'est fini. C'est fini, tu vas le voir. Oh, il allait me marier, il est parti. Oh, elle, c'est là, je les mets. C'est fini, le train est parti. C'est pourquoi il faut saisir le train. La première fois, la dernière, quand j'ai vu Rachel, j'ai dit, ça, c'est le train de ma vie. J'étais en Angleterre, je faisais ma vie, mais dans ses yeux, j'ai dit, ça, je ne peux pas manquer le train. On m'a dit, non, voilà, voilà, j'ai dit, il fait quoi? On m'a dit, il fait moins 40. J'ai dit, c'est mon train de la vie. Moins 40 ou moins 60 degrés, je vivrai avec elle. C'est pourquoi elle me réchauffe beaucoup. Bon, soyons spirituels, je disais qu'elle me réchauffe beaucoup. On est en jeûne et en prière. Comment vous êtes tombé charnel comme ça? Restez spirituel. Bon, les plus jeunes, fermez les oreilles. Alléluia. Salomé a compris. Seigneur, amen. Alors, finissons avec la mentalité des Peretz. Je vais donner les mentalités des Peretz. Je vais en donner 4 et puis on finit par là. Les Peretz commencent en arrière, mais finissent toujours à se dépasser.
les Pérez peuvent commencer vraiment en dernière position. Mais ils finiront par toujours aller vers l'objectif. Ce n'est pas comment tu commences, mais c'est comment tu termines. Goliath peut être grand, mais ça c'est l'occasion de ta vie. Tu le regardes comment il est grand, comment il est géant, mais je te garantis une chose, dans Goliath, il y a deux contrats. D'abord Goliath, il dit, si tu me vaincs, nous serons tes esclaves. Donc il y a un premier contrat de l'autre côté. Deuxième contrat, le roi a dit, celui qui vaincra Goliath, je lui donnerai ma fille, ça c'est les relations, je lui donnerai les richesses, la prospérité, et troisièmement, sa famille sera libre dans Israël. Il y a des opportunités de deux côtés. Tu prends ici et tu prends là-bas. Mais ce sont des choses des fois difficiles parce que quand tu regardes la montagne, tu dis « Waouh, comment est-ce qu'on va agrandir de ce côté et de ce côté ?» C'est difficile, on compte, combien 500 000, 800 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, Seigneur, c'est beaucoup. Ça, c'est un Goliath. Mais à travers ce Goliath, le centre-éveil va toucher ce que les autres n'ont jamais touché. Ils vont avoir la moisson ici à Ottawa et dans la région de l'Outaouais que les gens ne pouvaient jamais imaginer. Les gens qui ont dit « c'est impossible dans le monde francophone », bientôt ils vont venir dire « montrez-nous le secret, comment ça a réussi, comment vous avez pu réussir ». Est-ce qu'il y a des Pérez ici? Ce soir, nous allons prier. Tu vas prier comme une lionne du Seigneur. Tu vas prier comme un lion qui veut prendre son territoire dans le nom de Jésus. Tu vas prendre possession et dire au nom de Jésus, je ramène ce qui est à moi, mon héritage, je le prends dans le nom puissant de Jésus. Deuxième mentalité des Pérez, ils persévèrent jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Ils ne lâchent pas. Il dit, écoute, même si Zérach a bloqué, même s'il y a des complications, je vais persévérer, je vais marteler, je vais continuer jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Il n'abandonne pas. Oh, on a mal parlé de moi à l'église. Persévère. Oh, on me regarde très mal au travail. Persévère. Tu n'abandonnes pas, Pérez, parce qu'en toi, tu sais au fond de toi que tu veux la double onction. Si Élisée aurait abandonné, il n'aurait pas eu la bénédiction de Dieu. Et d'ailleurs, Élie lui a dit, non, reste ici. Il dit, non, je ne t'abandonne pas, reste ici, je ne t'abandonne pas. Parce que je veux la bénédiction de Dieu. Troisième chose, les Pérez prennent leur position lorsque Dieu ouvre la porte. Ils sont positionnés. Ils prennent leur position. Il dit, écoute Seigneur, si une petite fenêtre s'ouvre, je vais la prendre. Une petite fenêtre. J'y crois et j'attends patiemment parce que je sais que tu vas ouvrir. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, mais je sais que l'Éternel, quand ça va s'ouvrir, je vais entrer. Je vais entrer. Je me rappelle, toujours je vous ai raconté cette histoire des portes. Il y a des portes pas faciles à ouvrir. Ce sont des portes physiques. Tu mets ta main, tu ouvres, ça ne veut pas s'ouvrir. Tu dois avoir la clé verrouillée et entrer déverrouillée. La deuxième sorte de porte, c'est comme les portes que nous avons ici. Tu as besoin d'un code. 1, 2, 2, 1. Si tu ne connais pas le code, tu n'entres pas. Troisième sorte de porte dans la vie, ce sont les portes infrarouges. Quand tu entres dans leur présence, ça s'ouvre automatiquement. Quand tu recules, ça se ferme. C'est cette porte-là que ma mère a prié. Quand j'allais partir du Burundi, elle a prié, elle a dit, « Denis, que partout où tu iras, que les portes s'ouvrent devant toi. » Je croyais à la prière de maman. Mais quand je suis venu en Angleterre, j'arrive à l'aéroport, je fais comme ça, la porte s'ouvre. Je recule, je regarde et dis, « Hey, Bande Konanga, il y a quelque chose ici. » J'entre encore, la porte s'ouvre. Je recule, ça se ferme. Je dis, « Les blancs ont la magie. » Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait l'infrarouge ici. Bien-aimé, il y a des portes, quand tu es dans la présence de Dieu, automatiquement, tu fais comme ça, ça s'ouvre. Et c'est cette porte-là qu'on cherche ici au centre-éveil, être dans la présence de Dieu.
Parce qu'une fois que tu entres seulement, c'est automatique. Et je crois que nous sommes arrivés à cette dimension-là. Il y a des portes qui vont s'ouvrir ici au Centre Éveil d'une manière extraordinaire. Quand on parle de l'agrandissement de ces murs-là, ça parle aussi beaucoup de choses spirituellement et prophétiquement. C'est-à-dire que Dieu va nous faire prospérer à tous égards. Dieu ne peut pas bénir au nord et laisser le sud. Dieu ne peut pas bénir l'ouest et laisser l'est, parce qu'on sera jaloux l'un à l'autre. Alors Dieu, quand il commence à bénir le nord, sachez que le sud aussi tu seras. À l'est, quand il commence, l'ouest aussi. Alors ne sois pas jaloux à l'autre sœur ou à l'autre frère, ton temps arrive aussi. Ceux qui ont reçu leur bénédiction 2014 et 2015, c'était leur tour. Et sans réveil 2016, on entre. Et je sens dans mon esprit que ça va être ça. En allemand, on dit wunderbar. Ça veut dire beautiful, wonderful, extraordinaire. Quelqu'un peut dire wunderbar? Dit wunderbar. Ça sonne bien en allemand. Wunderbar. C'est-à-dire c'est extraordinaire, c'est inexplicable, c'est merveilleux. Est-ce que c'est wunderbar? Dernière chose, les Peretz se procurent une place dans le plan de Dieu. Parce que Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas. Et maintenant, Judas doit engendrer une personne qui va aller dans la lignée de Dieu. Zérak veut venir. Peretz dit non, ça c'est ma place. Il y a un combat spirituel qui se fait. Parce que celui qui va sortir sera l'ancêtre du Messie, l'ancêtre de Jésus. Et Peretz dit, non, je veux cette place-là. Je veux entrer dans le plan de Dieu. C'est pourquoi ce soir, je sens qu'on va prendre possession de ton héritage. Ne laisse pas Zérak prendre ta bénédiction, parce qu'elle t'appartient. Tu es le fils et la fille du Seigneur. Est-ce qu'il y a des Peretz ici? Il y a quelques années, on parlait des frères qui ont commencé qui sont partis voir le blockbuster. Le blockbuster, l'histoire de DVD qu'on louait. Ces frères sont partis dire, écoute, on a un deal qu'on voulait vous proposer. Ils ont parlé avec les gens de blockbuster, ils ont dit, non, on n'est pas intéressés. Et les gens l'ont regardé et dit, comment vous appelez-vous? Ah, on est des jeunes, là, on fait le Netflix. Avec vos histoires, ça ne marche jamais. Nous sommes sur le terrain, ça fait longtemps. On ne peut pas apprendre vos histoires. Vous êtes des débutants dans le film, dans le business. On vous a jugé parce que nous sommes les Zérak. On est venus les premiers. On connaît le monde, on connaît comment les gens pensent. Par jour, il y a des millions qui entrent. Et les jeunes les ont regardés et dit, peut-être on n'a pas l'expérience comme vous autres. Mais nous savons une chose, le monde est en train de changer. Il y a un nouveau momentum, il y a une nouvelle vague qui s'en vient. Peut-être aujourd'hui, on n'a pas 100 dollars dans la banque. On n'a peut-être pas de crédit avec RBC et TD et toutes les banques du monde. Mais les jours viendront. Les jours viendront. Bien-aimés, Blockbuster qu'on parle aujourd'hui a fermé ses portes. Tomber en faillite, c'est dans les oubliettes et c'est fini. Aujourd'hui, c'est le Netflix qui a pris le devant. Bien-aimés, ne méprisez jamais les faibles commencements. C'est pourquoi vous qui êtes ici au Centre Éveil, vous êtes bénis parce que vous êtes dans une terre fertile. Peut-être que tu n'as pas 100 dollars aujourd'hui, mais tu sais que tu vaux plus que de 1 million. Quand tu te regardes, tu dis « Seigneur Dieu ». Tu vois que je n'ai pas mangé. Tu sais que j'ai manqué un billet de vice. Mais Seigneur, je prophétise sur ma vie que je vais m'en sortir au nom de Jésus. Que les opportunités viennent. Alors je prie que ta vie ne soit plus la même. Que ce soir, tu sois rempli de joie et de bénédiction. Que tu sentes que toi aussi, tu vaux plus cher que ce que le diable peut te dire. C'est un menteur. En toi, il y a des milliards et des milliards. Il y a des choses extraordinaires dans ta vie. Cette maladie qu'on a dit que tu vas mourir avec, au nom de Jésus, je la chasse.
tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je déclare que tu es guéri et béni par le Seigneur. Le cancer doit quitter maintenant parce que toi, tu seras un témoignage de l'Éternel. Esaïe 64, verset 2 nous dit, ce qu'on n'avait même pas imaginé, Dieu nous l'a donné. Je prie que Dieu te donne des choses que tu n'avais même pas pensées. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Nous allons prier. Je sens l'onction de la prière en ce lieu. Des hommes et des femmes de foi qui vont s'accorder dans la foi et dire, Seigneur, je déclare la grâce et la guérison dans la vie de mon frère. Alors prends la main de ton voisin, deux à deux. On va se regarder peut-être deux à deux, deux à deux. Regarde la main, tu dis, c'est que deux personnes vont s'accorder. Nous le déclarons dans le nom de Jésus. Alors je déclare la guérison dans ta vie. Je déclare la grâce de Dieu dans ta vie. Et je demande que Dieu puisse te bénir au nom de Jésus. Prions ensemble, Seigneur. Prie avec la foi au nom de Jésus. Si tu veux parler en langue, parle en langue. Déclare la grâce. Déclare la visitation de Dieu. Dis, Seigneur, je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Dans le nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent dans sa vie. Que les portes s'ouvrent dans sa vie. Que ce qui était impossible soit possible dans le nom de Jésus. Come on, ne laisse pas. Prie le Seigneur, invoque le nom de Jésus. La Bible dit, celui qui invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. Il sera sauvé. Invoque le nom de Jésus, même sur l'internet, même à la maison, à Québec, Lac Saint-Jean, partout où vous êtes, élève le nom de Jésus. Dis, Jésus, sauve-moi. Jésus, touche ma vie. Jésus, donne-moi une opportunité. Jésus, ouvre-moi les écluses des cieux. Au nom de Jésus, je refuse les éracs. Je refuse les blocages. Je refuse ces choses que le diable a dit dans ma vie. Je prends possession de ma vie. Je prends l'accès, les relations, les richesses de Dieu, l'héritage de Dieu, la liberté en Jésus, la double onction d'Élie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te bénis encore une fois ce soir. Je déclare la guérison. Je déclare le mariage dans ta vie. Le travail dans ta vie. Au nom de Jésus, déclare la bénédiction de Dieu. Ne laisse pas. Dis, Seigneur, ce soir et dans la soirée, au nom de Jésus, je veux donner naissance à un Pérez. Un Pérez. Une ouverture de Dieu. 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 J'étais en arrière. J'étais derrière. J'étais en arrière. Mais l'Éternel dit, les derniers seront les premiers. Au nom de Jésus. Seigneur, repositionne aujourd'hui. Repositionne tes enfants. Repositionne, Seigneur, leur vie. Au nom de Jésus, je prie pour les médecins. Je prie pour les docteurs, les ingénieurs, les secrétaires, les administrateurs. Au nom de Jésus, les artistes. Je vous bénis encore une fois. Au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Élève ta voix, ma soeur. Bénis-la, bénis le frère, au nom de Jésus. La famille, bénis les enfants, au nom de Jésus. Déclare la grâce de Dieu. Prie pour ton mari, dis au nom de Jésus. Je le confie entre ta main. Il est sauvé, il est guéri, il est touché, il est transformé, il est béni par toi. Restaure-le, la restauration, la restauration, la restauration, au nom de Jésus. Je demande la restauration de Dieu, au nom de Jésus. Une visitation de Dieu, une visitation de Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons des hommes vaillants, nous voulons des hommes agiles, nous voulons des savants en ce lieu, nous voulons des intellectuels en ce lieu, nous voulons des femmes sages, des hommes qui vont aller loin. Les femmes de foi, les femmes de foi, au nom de Jésus, nous les bénissons, nous les déclarons bénis, au nom de Jésus. Alléluia. Demande ton miracle 2016. Ne laisse pas, sans les pressions que tu as eues, au nom de Jésus. Les douleurs d'enfantement. Ton père n'est pas loin. Il est là au nom de Jésus. Je prends cela. Les douleurs, Seigneur. Je prends mon héritage au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alors regarde ici un peu, nous allons prier ensemble. Élève tes mains, nous allons prier pour le centre réveil. Est-ce qu'il y a des hommes de foi ici?
Nous allons déclarer la grâce de Dieu au Centre-Éveil. Tu vas ouvrir ta bouche et commencer à déclarer des bonnes choses. Cette église francophone au milieu de la province anglophone, nous allons dire, Seigneur, bénis notre église, bénis cette assemblée. Qu'on soit la lumière au nom de Jésus. Élève le nom de Jésus pour le Centre-Éveil. Rikariagasikama, parle la langue même si tu veux. Déclare des bonnes choses. On sera la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Rikariagasikama, Oriagasikama. Seigneur, entends la prière de tes enfants. Au nom de Jésus, le Centre-Éveil, c'est un pérès. Au nom de Jésus, nous déclarons la grâce de Dieu. Nous sommes les fils de Judas, les fils de louange, les fils d'adoration, les fils d'adoration. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, donne des sérénités en ce lieu, des choses qu'on ne s'attendait même pas. Au nom de Jésus, des bénédictions, Seigneur, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, on les déclare en ce lieu. On déclare la bénédiction sur nos pasteurs, sur l'équipe pastorale, sur les leaders, au nom de Jésus. La grâce de Dieu. On élève nos mains, Seigneur, vers toi, parce que c'est toi qui sauve, c'est toi qui bénis, c'est toi qui multiplie. On demande la multiplication. On demande la multiplication. Dans ce lieu, Seigneur, que les brebis se multiplient, que les âmes se multiplient, que les finances se multiplient, que les relations se multiplient. Au nom de Jésus. Rokosikama ragasikama. Rikariagasikama. Rokomorogosikariagash. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rikariagasikama. Rikamaragasikama. Rikamaragasikariagash. Rokoriagasikama. Et puis vraiment, on veut être une lumière dans cette région. Et puis, on a besoin absolument de toucher le cœur de ceux qui dirigent. Et je crois vraiment que c'est la destinée de cette Église par rapport aussi à ce qui a été prophétisé sur l'Église. Alors, on va le déclarer cette année 2016 que c'est les débuts de quelque chose de nouveau. Et on déclare la faveur auprès des autorités locales et aussi provinciales dans le nom de Jésus. Puis même aller jusqu'à notre premier ministre Justin Trudeau. Et Seigneur Jésus, je te remercie, Père, pour ta faveur. Père, je te remercie que nous, comme Église, Seigneur Jésus, on va pouvoir parler dans le cœur de notre nation, Seigneur Jésus. Père, je déclare qu'on va devenir une voix dans cette région à partir de Orléans, aller jusqu'aux extrémités de la province, Père, et juste au-delà dans le pays du Canada, Père. Père, on te remercie pour tous nos députés ici, Seigneur Jésus. On te remercie aussi pour une faveur accrue, Seigneur Jésus. Père, on déclare que 2016, de nouvelles portes vont s'ouvrir, Seigneur Jésus, auprès des autorités. Les portes qui peut-être étaient fermées auparavant vont s'ouvrir davantage, Seigneur Jésus, sur cette Église, Seigneur, et sur les gens de cette Église, il y a une faveur. Et Père, aussi dans cette nation, Seigneur, merci que tu nous fais trouver faveur, Seigneur, même jusqu'au premier ministre du Canada, Seigneur Jésus. On te remercie que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Qu'un jour, le premier ministre va venir s'asseoir dans notre congrégation et va voir que la francophonie est encore capable de faire quelque chose. Amen. Comment on est capable. Les francophones, ça fait si longtemps, on est resté assis derrière. Que ça puisse être un monument dans la francophonie, ce que Dieu veut faire ici. Je crois sincèrement que ça va être comme les gens vont voir, vont dire « Wow, ça, c'est un symbole de ce que Dieu va faire dans l'au-delà. » Amen. Moi, je crois vraiment pour cela. Puis soyez bénis ce soir. Je vais te rajouter. Hallelujah! This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Cette lumière qui est en toi, laisse-la briller. Cette lumière qui est en toi, laisse-la briller. Cette lumière qui est en toi, laisse-la briller. Qu'elle brille,
appeler. Oh, Abel. Il y en a qui sont ici ce soir, qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus. Vous pouvez le faire ce soir. Faites simplement lever votre main et dire, moi, j'aimerais donner toute ma vie à Jésus ce soir. Est-ce qu'il y en a ici? Je vois cette main, monsieur. Vous aimeriez aussi? Je vois cette main, madame. Venez, je veux prier personnellement. On va prier pour vous. Amen. Pasteur Denis, hallelujah. Venez. Venez, venez en avant. On va prier avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait ce soir, j'aimerais donner toute ma vie à Jésus? Amen. C'est à Jésus que vous allez faire cette prière. Amen. Et si vous voulez simplement faire cette simple prière avec moi, dites Jésus, je viens à toi. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille ce soir dans mon cœur. Je te donne toute ma vie. Fais ce que tu veux avec moi. Je t'appartiens, Jésus. Amen. Amen. Félicitations. Félicitations. Amen. On va avoir quelque chose pour vous, un Nouveau Testament. Juste à suivre Madeleine ici. Laisse-la briller, qu'elle brille, qu'elle brille. S'il y a d'autres qui ont besoin plus, s'il y en a d'autres qui ont besoin aussi de prière, amen. Jésus guérit quelqu'un ici. Vous aviez quelque chose, ça montait, c'est comme un mot de tête, mais qui vient jusqu'en avant et ça va jusqu'en arrière comme ça. Amen. Tout le mal va disparaître au complet parce que Jésus est sur son trône. Si vous êtes malade dans votre cœur, avancez-vous. L'équipe, on va prier pour vous. Jésus guérit encore aujourd'hui. Amen. Il y a aussi quelqu'un qui a des douleurs dans le dos, dans le haut du dos, juste en arrière ici, qui traverse jusque en avant. C'est comme un point, les poumons. C'est ça, il y a quelque chose. Amen. Y a-t-il quelqu'un d'autre? S'il y a quelqu'un d'autre aussi, m'amène. Merci, Seigneur Jésus. Quelqu'un qui a des problèmes dans son coude gauche. Si quelqu'un a des problèmes dans le coude gauche, si venez devant, on va prier avec vous. Si par Internet, dans le nom de Jésus, recevez maintenant la guérison dans le nom de Jésus.